15 jours plus tard, il fait toujours aussi froid. Pour le record des 26 matchs sans défaite, le PSG a reçu une belle coupe. La pelouse du parc, quant à elle, ressemble à du béton. Les Lensois sont les plus vite en action, Vercruz pour Venancio Ramos et 1-0 pour Lens, on joue depuis moins de 60 secondes. Dès lors, les Parisiens sont obligés d'attaquer, ce qui est toujours délicat sur une pelouse gelée. Sur un tel terrain, les défenseurs sont obligés de commettre des fautes. Et sur un croque-en-jambe de deux planches sur Suzic, M. Ben Ali désigne le point de pénalty. Pénalty qui sera transformé par Rocheteau à la 38e minute. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. En deuxième mi-temps, à deux reprises, Joël Batz sauve son équipe. Et sur une faute de Janol sur Gilot, c'est un nouveau pénalty, cette fois transformé pour Lens par Venancio Ramos, les nordistes qui mènent à nouveau au score, 2-1. 7 minutes plus tard, nouveau pénalty sifflé par M. Ben Ali pour une faute pas très évidente. Rocheteau ne fait pas de sentiment et le transforme. Le Racing Club de Lens et PSG font match nul, 2-2.